Il est des femmes et des hommes qui errent à la recherche d'un peu de chaleur, chaleur humaine ou chaleur physique, parce qu'ils n'ont plus de maison, plus de lit, parce qu'ils ont tout quitté un jour et que chaque jour, la vie les a un peu plus abandonnés. Sur les quais, sous les ponts, au-dessus des bouches de métro, ce sont des silhouettes familières aux Parisiens. Ces clochards, puisqu'il s'agit d'eux, et il y en a quelques 3000 à Paris et dans la région parisienne, qui sont-ils? Comment en sont-ils arrivés à s'évader d'une société qui leur pèse comme un vêtement trop étroit? Alcoolisme, paresse, défaitisme, ou ce goût de la liberté dont ils sont si fiers et qui peut-être deviendra une prison sans barreaux qui les mène avec la maladie et l'âge plus sûrement vers la fin? Voilà sans doute les causes qui les ont conduits à faire une sorte d'abandon de soi et une abdication sans espoir et à accepter leur misère. Alors, pour mieux les connaître encore, pour savoir qui ils étaient pour la société et ce que la société pouvait faire pour eux, Marie-Claire Gauthier et Guy Ledoux sont allés à leur rencontre, à leur recherche, de jour comme de nuit et en des lieux les plus divers. Qu'est-ce que ça veut dire? Cloche, des clochards. Malheureux. Des pauvres malheureux. On n'a pas d'abri, on couche sur le marche du métro, on mange quand on peut. Moi, j'étais toujours vendeur dans l'alimentation. J'ai un marchand de morue, poissonnier. J'ai resté 15 ans dans la même maison. Reramé. Pas reramé, rue de Pic, t'étais. Reramé. C'est rue de Pic, t'étais. Oui, oui. Moi, ça n'a pas été pareil. J'ai travaillé 22 ans dans les Halles, je suis même patron. J'ai eu un accident terrible. Et après, j'ai fait le bac. Il y a une chose qui est différente quand même. C'est que la société des gens qui ne croient pas de port quand même. Qu'est-ce que vous leur reprochez à la société aux gens? Non, je reproche aux gens rien. Rien. Vous voyez, je n'ai pas honte de vous le dire. Quand ça me plaît d'aller voir Brigitte Bardot, je sais où qu'elle habite. Et je manque pas d'air pour vous le dire. Avec Victor Hugo là-bas dans le 16e, j'étais à trouver plusieurs fois pour aller voir la Brigitte Bardot. On me dit, va à Nanterre. Nanterre, c'est très bien, les gens de Nanterre. Et tout le monde s'y plaît pauvre aussi tout le temps. Oui, oui. Vous êtes toute seule? Oui, oui. Vous voyez bien? Oh là là. On va vous aider, mettez-vous vos sacs. C'est Maria Lefebvre, non? Oui. Lefebvre, Maria, vous n'avez pas une pièce d'identité, là? Oh là là. Oh, les gens. Vous allez avoir dans les archives. Oui. Oh, vous, bien sûr, vous me connaissez. Je vais mettre ça pour voir le second qui est là. Oh, il l'a retrouvé sous l'heure, pour manger des mains. D'accord. Merci. C'est pas quand même mieux avec nous, vous n'avez pas de problème. Non. C'est des fois, on est très gentils. On est une petite, mais heureusement, vous êtes là. Allez, montez, montez. Oui, allez-y. Asseyez-vous. J'ai donné 20 ans de ma vie quand j'étais jeune. Il y a 2 ans que je suis comme ça. Et j'ai été soigner les malades à Nanterre. Oui, madame, à l'infirmerie, à la 2e infirmerie. J'ai soigné les malades, je leur passais le bassin. Je les nettoyais et j'ai une certaine instruction. Je ne sais ni lire ni écrire, mais enfin j'ai une certaine instruction. Heureusement que j'ai un moral encore assez bon. Mais j'ai eu beaucoup de fois, combien de fois l'idée. Mais j'ai dit non, parce que ma mère a eu trop de mal pour que j'en arrive là. Non.
du piano, j'ai eu tout ça. Je vois que... Eh ben, vous savez, on a des hauts et des bas dans la vie. Et on ne doit jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ha ha. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes à la hauteur. Demain, vous êtes bien bas. Il faut tomber de bien haut et devenir bien bas. Oui, il ne faut pas tomber de haut pour se faire du mal. Et vous croyez que c'est la vie, ça? Il vaut mieux être sous terre que sur terre. Et puis eux, enfin, il faut leur travail, parce que vous savez, il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui en ont besoin. Tant pis à la grâce de Dieu, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Ha ha ha. 10,50, 10,70, 10,80, 10,90, 13, 13,10, 13,20, 13,30, 13,40, 13,50, 13,60, 13,70, 13,80, 13,90, 14, 14,10, 14,20, 14,30, 14 francs 34 en monnaie. Oui, bon, j'ai pas compté. Je voulais éviter toutes ces formalités-là. Avec 10 francs, billets. Oui, il reste ça. Alors 24 francs 34, hein. Oui, c'est ça. Non. Commissaire divisionnaire Baudouin. Vous savez, en matière de clochards, nous sommes un peu désarmés. Nous sommes désarmés sur le plan pénal et nous sommes désarmés sur le plan psychologique. Sur le plan pénal, parce que la plupart d'entre eux ne répondent pas aux conditions qui en font des vagabonds, qui pourraient être sanctionnés pénalement. La plupart ont une petite retraite, une pension, généralement d'anciens militaires, ou d'assistance, d'assistance médicale gratuite, quelque chose comme ça, qui fait que, sur le plan pénal, ce ne sont pas des vagabonds, ils ne sont pas complètement dépourvus de ressources. Sur le plan psychologique, vous le savez bien, nous n'avons pas à les juger, mais la plupart d'entre eux sont parfaitement irrécupérables si l'on arrive de temps à autre à reprendre et à réintégrer dans la société l'un d'entre eux. Mon Dieu, c'est une excellente chose, mais c'est extrêmement rare. Alors, le rôle de la police municipale, n'est-ce pas, c'est de les aider, de les assister, et en gros de les protéger d'eux-mêmes, et puis aussi de protéger la population parisienne des clochards, parce que vous le savez très bien, il n'est pas agréable d'avoir dans son voisinage un campement de clochards. C'est très pittoresque peut-être, à l'œil d'un cinéaste, mais peut-être aussi pour un romancier, ça l'est beaucoup moins pour le voisinage. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les obligeons à venir à Nanterre, où là, ils sont lavés, soignés, traités, au moins pendant un jour et demi. Si vous voulez, c'est un répit dans leur misère et dans leur malheur. Personnellement, monsieur le commissaire, et en dehors de votre profession, que pensez-vous des clochards? Eh bien, je dois vous dire que j'ai débuté comme jeune commissaire. J'étais très jeune et j'étais dans un quartier qui était assez fréquenté par les clochards puisqu'il s'agissait de Bonne Nouvelle, la partie nord des Halles. Et avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour en retirer un certain nombre de ce milieu. J'avais pris des contacts avec des autorités diverses et surtout de bonne volonté particulière. Je dois vous dire que j'ai parfaitement échoué et que je n'ai pas souvenance d'en avoir tiré un seul. Dites-moi, brigadier, vous avez ramassé combien de clochards aujourd'hui? Nous en sommes à une douzaine. En général, on en ramasse de 25 à 30 par ramassage. Qu'est-ce que c'est en général comme public, si je puis dire? Vous savez, il y a des malheureux, évidemment, et certains qui ont été conduits là par la boisson. C'est une grosse majorité, hélas. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des... On croit toujours que les clochards, ce sont des gens âgés, alors que vous avez beaucoup de gens jeunes. Vous en avez beaucoup de jeunes, oui. Malheureusement. Je ne dis pas qu'ils soient irrécupérables pour la société, il y en a qui s'en sortent. Mais il y en a beaucoup, malheureusement. On s'efforce de les garder quelquefois à Nanterre, mais quand ils veulent bien être gardés... Ça leur déplaît d'être embarqués comme ça? Vous savez, à Nanterre...
comme boisson, donc du coco, ils mangent très bien, mais la boisson, c'est assez limité. Or, ce qui les attire dans la rue, ils aiment avoir une certaine liberté. L'amour de France était toujours vivant. Lorsque son fils atteigne 18 ans, la pauvre mère murmura les mains jointes. Va vite à France s'engager, mon enfant. Tu ne dois pas servir ces casse-capoils. Mais c'est pas une situation de manger dehors, non? Surtout pas ce temps-là. Quand il fait bon, on va manger dans l'herbe. Quand il y a de la cloche, on mange dehors. Et puis vous couchez dehors aussi? Mais oui. Oui, mais sur des bouses de chaleur. Alors ça chauffe quand même. Mais ça chauffe, alors vous avez... Quand il tombe de l'eau aussi, on a chaud en dessous et il froid au-dessus. On est mouillé. Et pourquoi vous n'avez pas cherché à vous loger un peu? C'est pas possible? Madame, tant que les chambres ont été jusqu'à 1200 francs, j'en ai pris une. 1200 francs, je vous parle français, évidemment. Hein. Mais maintenant, c'est 15 ou 1800. Je ne peux pas me le permettre. Je pourrais peut-être me le permettre, mais alors je ne mangerai plus rien du tout. Alors je serai vite acquis. Elle chantait dans le Nord, elle s'appelait Lindelco. Qu'est-ce que vous chantez? Ah ben, c'est elle qui chante. Oh ben écoutez, pour l'instant, je chante les roses blanches, le dénicheur, enfin, je n'ai pas quoi. Dans les cours? Non, sur les marchés plutôt, et quelquefois devant un petit restaurant qui nous donne pour la peine, même dans les rues, alors on lance, quoi. Parce que dans les cours, autrefois, je chantais plutôt dans les cours. Enfin, au début, que les chambres ont été à ce prix-là. Mais seulement maintenant, il y a beaucoup de concierges espagnols et des jeunes, tout ça, qui ne savent même pas ce qu'on leur veut. Alors, je préfère attaquer carrément la rue. Je travaillais à Pontoise et j'ai 56 ans. Maintenant, je n'ai pas trouvé du boulot. Je suis trop vieux. Je suis à l'homme sandwich. Je ne trouve pas. Je ne veux même pas amener avec une pancarte, quoi, sur le dos. Je m'en fous, croyez-moi. Et comment ça, du boulot? Moi, je préférerais distribuer des prospectus ou faire quelque chose dans ce goût-là pour l'instant parce que je voudrais laisser reposer ma voix. Et forcément, dites donc, hein, ça commence à s'user. Hein. Mais comment ça finira tout ça? C'est pas drôle, dites-moi. On finira en cimetière, madame. Bah, on en est tout ça. Hein. Bah, ou alors, moi, je sais pas où. Je serais peut-être à la faculté de médecine. Un banc d'essai. On peut finir comme cobaye, hein, je sais pas. Vous savez, si ça peut servir la science, pour moi j'aurais fait quelque chose d'utile dans la vie. Quand on cherche pas moi, c'est qu'on me trouve, si on me demande par mon nom, par le nom qu'on m'a donné, Bernard dit le roi des attestes. Ça fait 33 ans que je suis au quartier. 33 ans que vous êtes dans ce quartier? Au quartier, donc. Oui. Ça fait une paille, hein? Enfin, je suis pas pour y rester, évidemment, hein, parce que je suis un vagabond. Ouais. Un jour ici, un jour là-bas. Et pourquoi? Mais seulement, pourquoi? Parce que ces putains de bleus, qui me font chier tout le temps. Alors, je fais la bif. Je fais le bif, hein. Comment ça s'appelle faire la bif? Bifin. Ah bon? Bifin. Bifin, au lieu de dire chiffonnier, c'est pareil. Chiffonnier, c'est la même chose. Parce que chiffonnier, c'est pas la même chose si vous voulez par là, parce que chiffonnier, c'est un clochard. Mm-hmm. Parce qu'il ramasse les chiffons, il ramasse n'importe quoi. Et, alors il se débrouille pour voir passer un coup. Mais seulement, il ne gagne rien, quoi. Ouais. Il ne gagne rien. Avec moi, je ramasse pas n'importe quoi. Du moment qu'il a 200 balles, il va se dire, j'ai 200 balles, je peux en voir. Autrement... Et à quoi ça avance? Ça vous fait voir la vie en rose? Ah, rien du tout. Rien du tout, c'est pas mon cas, moi. Ouais. Parce que moi, je suis pas trop cher, moi, je suis un vagabond. C'est plus joli.
Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Monsieur, je suis un vagabond, un marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. C'est les quatre saisons pour les glaner. C'est le tonnerre d'hiver pour chanter. Ça va moins bien qu'hier, hein? Oh, ça va mieux qu'hier, oui. Croyez-moi. Oh non, ça va mieux qu'hier parce que hier, j'étais pas sous, mais aujourd'hui, j'y suis. Alors, la vie est belle? Ça fait rien. La vie est comme ça. La vie, il faut la prendre comme elle est. Faut la prendre comme elle est. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Et que je dis, bah tiens, je vais arrêter à Paris, je vais toujours aller voir la Tour Eiffel. On va commencer. Et après, je fonce chez moi. Le manque de peau, c'est que j'ai bien vu la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Je me suis retrouvé au Champ de Mars, occupé à roupiller sur un banc. Et après, j'ai été fauché. J'ai fait 7 ans de légion. 7 ans de légion étrangère. Fait 3 ans au Maroc et 4 ans en Algérie. Du temps de la guerre. Ouais. Parce que... Et pourquoi vous avez laissé tomber tout ça? Ah ouais, parce que ça commençait à péter drôlement là-bas. Vous aviez peur? C'est pas la question que j'avais peur. Mais les autres avaient peur comme moi, mais je ne voulais pas laisser ma peau là-bas. Hein. Mais ici, c'est pas une vie pourtant. Ah ouais, c'est pas une vie. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On n'a pas d'autre solution. Hein. Enfin, vous êtes jeune? J'ai 40 ans. Alors, justement? Bah ouais, mais c'est... Je vous dis encore une fois, c'est la question plutôt de... d'aventuriers qui priment là-dedans. Hein. Nous autres, on aime notre liberté. Les deux vieux qui sont avec moi, c'est la même histoire. Et c'est des gars qui ont des pensions. Et ils préfèrent coucher dans la pampa que d'aller ailleurs. Vous croyez que vous êtes plus libre ici? Bah oui. Avec tout ce qu'il peut y avoir, les... Bah oui. Les rats... Les rats, ça nous tient accompagnés un peu, là. Comme ça, on n'est pas tout seul. Il y a bien des moments où j'ai bien envie de retourner chez moi. Je le dis toujours, mais je ne retourne pas.